Salut les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des corps gras, c'est vachement important dans notre alimentation. Je voulais répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et vous m'en posez assez régulièrement. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Alors on va commencer aujourd'hui par la crème, parce que c'est un produit qui est largement utilisé, puis parce que c'est bon dans la cuisine. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à l'heure actuelle, pour les crèmes fraîches, la tendance, d'une façon globale, c'est la réduction du taux des matières grasses et l'amélioration de la texture. Et on arrive à avoir des crèmes fraîches. Bon, alors moi, comme je sais que je vais consommer ces produits, je ne prends pas le pire. On arrive à alléger terriblement les crèmes fraîches. Jusqu'où ira-t-on? Alors, je vous explique d'abord, c'est quoi la crème? La crème, c'est la matière grasse du lait qui va remonter à la surface au moment de la première étape de la fabrication du beurre. Alors, contenu nutritionnel, une crème fraîche normale, par exemple une crème fraîche entière comme celle-ci, 32 g de graisse pour 100 g. Alors, il y a plein de catégories de crème. La crème fraîche liquide, vous voyez, ça c'est une crème fraîche liquide. Quelle particularité? C'est qu'après la première opération, quand on a séparé, quand on prépare le beurre et qu'on extrait le premier liquide, cette crème fraîche, elle est liquide, elle est pasteurisée, mais elle n'a pas été ensemencée. On n'a pas mis de levure à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est vraiment quasiment la première matière qu'on retire au moment où on fait le beurre. Après, vous avez une crème fraîche épaisse. Alors celle-là, vous voyez, je l'ai ici, voilà, c'est... Non, alors attendez, je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-là, je vous expliquerai après pourquoi je prends celle-là. La crème fraîche épaisse, celle-là, elle a subi une maturation parce qu'on l'a ensemencée avec des ferments lactiques après l'avoir quand même pasteurisée. Alors, il y a des crus d'appellation contrôlée, c'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce que celle-là, c'est la crème fraîche d'Isigny, super connue. Pourquoi? Elle est censée contenir 35% de matière grasse. Une crème UHT, elle a été stérilisée. Elle n'a pas le droit à l'opération de crème fraîche puisqu'elle est plus fraîche, puisqu'elle a été pasteurisée. Mais comme elle a des qualités et des facilités d'emploi, on l'utilise vachement en restauration. Il y a des crèmes que vous connaissez même pas. La crème double. La crème double, elle a été ensemencée, maturée, comme la crème fraîche épaisse d'Isigny, et elle peut contenir jusqu'à 65% de matière grasse. Et il y a même une crème, on n'en parle jamais, c'est une crème aigre, qui est préparé par fermentation bactérienne et qui se conserve peu. Et en fait, ceux qui l'utilisent, c'est les Allemands, les Anglo-Saxons, les Russes et les Polonais. On trouve même des crèmes fraîches très allégées aujourd'hui. Alors, elles se déclinent de toutes les façons, les amis. Et vous voyez, j'en ai une ici. Celle-là, je l'ai prise allégée à 15% de matière grasse parce que sinon, c'est catastrophique. Quand vous lisez la composition, vous avez tout compris. Il y a écrit crème légère de lait, 97%. Ensuite, on a rajouté des amidons transformés de pommes de terre et de tapioca. On a mis un épaississant, de la pectine. On a mis des ferments lactiques. Donc, en fait, on a modifié cette crème en prenant une crème légère et on l'a épaissie parce qu'elle n'aura pas la même consistance. On peut rajouter de la pectine comme ici, mais on peut rajouter des caragénanes qui sont des épaississants de fruits et d'algues. Aujourd'hui, on va même trouver des crèmes sucrées qu'on trouve essentiellement pour la pâtisserie. T'es tout cramé, là ? Du coup, ça fait une crème brûlée. Ah oui. Attends, répète ça, petit con. Répète ça. Alors, deux petites anecdotes nutritionnelles. La crème fraîche, c'est un produit qui contient du cholestérol. Donc attention, 110 mg pour 100 g. Qui contient un peu de calcium, moins que du yaourt ou que du fromage, 60 mg pour 100 g. Mais qui contient quand même de la vitamine D et de la vitamine A, pardon, et des carotènes. Les deux à hauteur de 150 microgrammes. Bon, c'est plutôt intéressant. Et ce que je pourrais dire, c'est que la crème, c'est quand même le corps gras le moins gras. Parce que l'huile, par exemple, c'est 100% de lipides. Le beurre, on va le voir, c'est 82%. Et les margarines, c'est entre 60 et 80. Maintenant, en termes de qualité, la crème, c'est issu du lait. Donc, elle contient des acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés, ils peuvent être un peu gênants au niveau de notre sang parce qu'ils contribuent à boucher les artères. Et contrairement à une idée vachement reçue, la crème peut très bien bouillir parce que l'eau, elle s'évapore, elle reste et il va rester la graisse qui va donner une crème épaisse qui ne va pas tourner. Sur le plan nutritionnel, les crèmes fraîches à 4 ou 5% de matière grasse, bon, ok, elles sont utilisables dans les régimes, mais franchement, elles n'ont aucun goût. Donc, moi, je préfère pas en prendre. Donc ça, c'est ce que vous deviez savoir sur les crèmes. Allez, on continue dans les corps gras. Le beurre, c'est une substance grasse.
Elle est onctueuse en général, elle est obtenue. Alors comment on la fait? C'est le barattage de la crème. C'est-à-dire une fois que vous avez obtenu la crème, vous barattez. Et donc dans le beurre, vous avez 82% de matière grasse. Contrairement à une idée reçue, le beurre peut être fabriqué à partir du lait de vache, mais aussi avec du lait d'autres mammifères, comme par exemple celui de la chèvre. Alors faites gaffe à ne pas le conserver trop longtemps, parce que quand il vieillit, le beurre, il va rancir et il va perdre le goût caractéristique du beurre, qui est un beurre de noisette. Un beurre, s'il y a aussi une durée limite de conservation, en général, elle est indiquée sur l'emballage. Alors, il y a des beurres de printemps qu'on a le droit de congeler, mais c'est un peu particulier. Alors, on a plein d'appellations pour les beurres. On a le beurre laitier. Il est fabriqué dans une laiterie. Donc, vous le trouverez sur l'étiquette. On a le beurre fermier. Il est fabriqué dans une ferme. On a le beurre extra fin. Il vient d'une crème pasteurisée, mais il n'a pas subi ni congélation ni surgélation, contrairement au beurre fin, qui, lui, peut avoir été soumis à la congélation ou à la surgélation. Alors, moi, j'adore le beurre de micelle. C'est pour ça qu'il n'y a que ça chez moi. Donc voilà, par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 beurres, 3 beurres de micelle. Alors, dans le beurre de micelle, vous avez 0,5 à 3% de sel. 0,5 à 3% de sel, ça veut dire que pour 100 grammes, vous avez 3 grammes de sel. C'est quand même beaucoup, hein. Mais on en prend très peu. Donc, ça veut dire quand on prend 10 grammes. Alors, par exemple, là, j'ai pris, on va prendre celui-là parce que j'aime bien les beurres tendres. C'est juste un procédé de fabrication. On va regarder le sel. Il est à 2 grammes pour 100 grammes. Donc, quand je prends, 10 grammes de beurre le matin au petit-déj, j'ai pris 0,2 grammes. Ce n'est pas la mer à boire. Je vais regarder le beurre échiré, pour voir combien. Vous voyez comme ça varie. 1,3 grammes, pas mal le beurre échiré, hein. En plus, c'est un beurre d'appellation. Parce qu'il existe des appellations d'origine contrôlée qui garantissent l'origine et la qualité. Alors maintenant, vous trouvez des beurres allégés, comme ça. Là, c'est un beurre allégé à 41%, donc la variation, c'est 41 à 65%. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils contiennent de la pectine comme stabilisant. Alors c'est quoi? C'est de la crème pasteurisée qui a été enrichi de gélatine, d'amidon ou de fécule. Alors évidemment, ça contient vachement plus de flotte. Je vous lis la composition, si jamais ils acceptent que je lise tellement ils écrivent petit, c'est écrit ingrédients, je regarde les gars, eau, matière grasse de lait, amidon modifié, maltodextrine, c'est un sucre, les lactoses, donc ils ont rajouté un peu de sucre, arôme naturel, émulsifiant, bêta-carotène, vitamine A, vitamine 2. Bon, c'est typique du produit industriel traditionnel, hyper composé. Moi, j'aime pas. Ils sont moins gras. Ils n'ont pas le goût de beurre. On ne peut pas les faire chauffer en plus. Et alors que les beurres à tartiner, c'est des beurres à 82% de matière grasse, mais souvent on en prend moins. Et quand on les rend plus mous, comme le beurre que je vous ai montré tout à l'heure, ça rend plus facile le tartinage. Alors, anecdote nutritionnelle, tous les vrais beurres, je vous l'ai dit, ils contiennent 82% de matière grasse et de la flotte. C'est un produit qui est riche en vitamine A et en carotène, qui renferme également un peu de vitamine D. Bien sûr, qui est riche en acides gras saturés, ce qui bouche les artères, donc il faut le consommer de façon raisonnable, parce qu'il y a 250 mg de cholestérol pour 100 g. Alors, j'ai deux petits trucs à vous informer, et il faut tordre le cou à une croyance, le beurre cuit n'est pas nocif pour la santé, parce que son point de fusion est très bas, entre 30 et 35 degrés, il fond très vite. Donc, lorsqu'on cuit un aliment et qu'il y a une petite fumée qui est l'évaporation des petits acides gras volatiles, c'est pas dangereux. Et quand on le chauffe à une température plus élevée, il va noircir. Là, c'est une oxydation, c'est une réaction chimique en fait. C'est la réaction de Maillard. Si on le consomme en grande quantité, il est irritant pour les muqueuses de l'estomac, mais il n'est pas toxique. Mais en tout cas, en manger un petit peu, ça ne fait pas de mal. Alors, de temps en temps, on trouve ces produits. Alors, je l'ai mis dans les beurres, voilà, Brie de l'ail doux. Alors, c'est des pâtes à tartiner. C'est ni du beurre, ni de la margarine. Ça va plutôt du côté du beurre parce qu'il y a des matières grasses laitières. 15% de matière grasse, ça veut dire, les amis, que vous prenez un produit avec un tout petit peu de beurre à l'intérieur, beaucoup d'eau et plein de produits pour l'agglomérer, pour lui donner une consistance. Franchement, j'aime pas du tout, quoi. Ouais. Allez, on continue. On se finit avec la margarine. On est content, hein. La margarine, c'est bien. C'est un vrai truc français. Ça nous arrive d'inventer des trucs sympas. Et le truc, c'est un pharmacien qui s'appelait Meige Mouriès. Il a mis au point une émulsion de graisse animale et de graisse marine, d'ailleurs, à l'époque, qui était mélangée à de l'eau ou du lait. Et le gars, il a remporté un concours qui était organisé par Napoléon III parce qu'il voulait inventer un corps gras bon marché qui se conserverait longtemps et qui pourrait remplacer le beurre. Après, progressivement, on a remplacé les graisses animales par de l'huile de palme et de copra.
Et ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on utilise les meilleures huiles, c'est-à-dire des huiles végétales fluides comme le tournesol et le colza. La margarine, comme le beurre, attention à l'erreur, 82% de matière grasse. La seule différence, c'est pas de matière grasse laitière, et là des matières grasses d'origine végétale par un procédé industriel. Donc là, moi j'ai pris plusieurs types de margarine parce que c'est ça grosso modo. Alors ici, je vous ai dit que c'était entre 60 et 80% de matière grasse. Voilà, celle-ci, elle est, c'est une margarine traditionnelle, j'ai pris Monop. Elle a 60% de matière grasse, donc c'est une margarine qui est un peu plus allégée que la margarine normale. La composition, je vous la lis, huile et graisse végétale, non hydrogénée, c'est bien, eau émulsifiant, produit typiquement industriel. Alors donc, on a deux autres margarines ici, les margarines enrichies en oméga 3. Alors, est-ce que c'est vraiment utile, les margarines enrichies en oméga 3? Bon, la teneur en matière grasse ici, par exemple, elle est de 50%. Donc elle est un peu moins quand même de celle-là. Pourquoi? Parce que toujours la même histoire. Sur cette margarine, on regarde huile végétale non hydrogénée, colza, tournesol. Voilà, c'est plutôt bien hein, ça. Hein. Mais il y a quand même un peu de coco et de lin. Enfin, c'est déjà mieux que la précédente. Eau, sel de mer, etc. C'est pas un produit super naturel. Et puis à côté, j'ai cette margarine. Alors cette margarine, elle contient ce qu'on appelle des stérols végétaux. C'est-à-dire qu'on a fabriqué une margarine. Alors là, je peux même pas vous lire la liste d'ingrédients tellement elle est importante. En fait, on a rajouté des stérols végétaux. Ces stérols végétaux, on a utilisé ça pour les gens parce qu'on pense qu'ils limitent l'absorption du cholestérol dans le tube digestif. Donc on s'en sert chez des gens qui ont des problèmes de maladies cardiovasculaires. De surcroît, il y a 40% de matière grasse, c'est-à-dire moins que dans la margarine de cuisson et de tartine qui est riche en vitamine E. Voilà, bon, c'est un produit qu'on utilise chez des gens qui ont du cholestérol, mais la réduction, elle est quand même assez faible. On considère que ça réduit de 12 à 15% le cholestérol sanguin. Donc, si votre cholestérol est beaucoup plus élevé que ça, ça peut être soit un complément à des médicaments que vous prenez ou à un régime quand vous faites un régime, soit vous le prenez quand vous avez très peu de cholestérol et du mauvais cholestérol. Voilà, moi je ne suis pas un grand amateur de ces margarines, c'est sûr qu'elles sont meilleures pour la santé, mais franchement je reconnais qu'en termes de goût, ben, les matières grasses d'origine laitière, elles ont quand même plus de goût et pour la cuisine et pour la tartine, donc je préfère ça. Voilà, vous savez tout, comme à l'accoutumée, je ne vous le rabâche pas, mais vous connaissez les questions, les commentaires, les critiques et les idées de vidéos, c'est vachement important. À bientôt les amis!